là-bas. On peut leur dire de se déguiser en Halloween, comme ça ils vont se faire punir. Rigolez, on prend des photos, vous avez tous votre portable. Oui, oui. Bon, allez, je crois que c'est l'heure là maintenant. Rangez-moi vos portables et mettez vos masques pour aller en classe. Allez, on y va. Bon alors je vous ai préparé deux petites additions là. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a pas l'air d'aller? Ouais, nous a harcelé les gens de la classe, nous a harcelé. T'es bien regardé. Oh, c'est pas vrai. Bon, d'accord. Bon, ben, je crois qu'il va falloir qu'on s'occupe de ça. Hein. Vous inquiétez pas. Ben, excusez-moi. Il faut que je m'absente 2 minutes. Hein. Je vous fais confiance. Vous êtes sage. Bonjour. Aujourd'hui, nous devons régler un grave problème qui concerne toute la classe. Je vous présente Elsa. Bonjour. Bonjour. Une policière qui est venue nous expliquer la situation. Vous avez fait croire à 4 de vos camarades qu'il fallait venir déguisés à l'école et vous les avez pris en photo. Depuis, vous ne cessez de vous moquer d'eux, de les insulter, de les harceler sur les réseaux sociaux ou sur les portables. Eux, ils se sentent de plus en plus mal. Alors se moquer de ses camarades de façon répétée une ou plusieurs fois, ça s'appelle du harcèlement. D'accord. En plus, vous avez fait des photos sur des réseaux sociaux. Et ça, c'est puni par la loi. Est-ce que vous le savez? Non. Comme vous avez moins de 13 ans, vous risquez des sanctions éducatives pour des mineurs délinquants. Donc vos parents sont responsables des dommages que vous avez causés à vos petits camarades. Ils sont susceptibles de payer des dommages et intérêts. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Alors, surtout les enfants, quand vous êtes harcelés, vous devez absolument prévenir un adulte, quel qu'il soit. D'accord? Oui. Et normalement, les parents des victimes doivent porter plainte. Alors, que fait-on? On promet de ne plus recommencer. Mais si on s'excuse? On s'excuse, on arrête, on va effacer toutes les photos.
Mais coupez. Eh ben on a fini là. Voilà. Alors est-ce que ça vous a plu?